opération spéciale à haute disponibilité opérationnelle de la taille d'un bataillon et qui est en mesure de mener et de faciliter une vaste gamme de missions, notamment l'action directe, la défense, la diplomatie et l'aide militaire, la reconnaissance spéciale ainsi que le soutien à la lutte contre le terrorisme et contre le terrorisme maritime. Le ROSC dispose d'une très grande force de frappe et d'une formidable mobilité. Un centre déployé sous les parachutistes est maintenant en place par un poids de 7 livres qui tient 6 cartouches fumigènes. Nos deux parachutistes doivent être très prudents là, au moment de l'atterrissage. Starboard 8 Alpha, Capral Kim Farrell, de Cole Harbour, Nouvelle-Écosse. Starboard 9 Alpha, Capral Mike Lovat, de Carol Nova. Prochaine formation. Le Tudor est un avion offrant une grande manœuvrabilité. C'est grâce à un excellent. Et on prendra pas le temps de se poser là. On se pose pas au sol. Non, on reste en l'air. Le but, c'est de protéger, capturer et évacuer le plus rapidement possible. Alors les cordes d'extraction sont lancées. Les premiers membres de la force spéciale descendent. Alors le but ici, c'est de procéder le plus rapidement possible tout en se protégeant. Il y a une partie des troupes qui vont procéder vers le véhicule et l'autre partie qui va protéger le périmètre. Les hélicoptères ont le feu vert pour dégager et aller se mettre à l'abri. Voyez la presse technique. Qui sont juste en regard de ça. Une chance qu'Air Canada ne transporte pas ces gens comme ça. Je prendrais ma vie de l'obus à la minute 100 obus par seconde. Et voilà la dernière phase de bombardement de nos F-18. Oh! Pour ceux qui n'avaient pas de coup de soleil, c'est fait. J'ai senti. Thank you.
I'm gonna be there for you.